avec Mimi. Voilà. Bonsoir. Oui, vous retenez. Ah, c'est Mimi. Voilà. C'est combien de personnes alors? Alors là, en tout, combien de spectateurs? Une centaine. Alors attendez, j'ai vu dire ça tout de suite. Ouais, c'est ça. Une centaine. Une centaine. On verra. Joël a été son bassiste pendant plus de 18 ans et un ami très proche. Donc il va vous raconter toute cette histoire, en fait, tout au long du spectacle. Il fera certainement mieux que moi. Moi, je vais vous présenter aussi les artistes. Donc, nous aurons Jean-Claude à la guitare, Jean-Michel, oui. Jean-Michel à la basse, Nicolas à l'accordéon, et Joël au chant et à la musique. C'est plein. Puisqu'ils étaient venus là accompagnés de leurs enseignants, de leurs parents, pour interpréter des chansons de Nino Ferrer, accompagnés par Joël Segura et ses musiciens. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une initiative que nous avons prise il y a quelques années, de dire il est bon de faire que la chanson française soit reconnue. Et la bonne chanson française de qualité avec du texte et de la musique. Et nous avons intitulé cela « Il était une voix ». Après quelques actes de mon état, et surtout avec une femme qui chantait. Oh,